commencer le tournage. Merci beaucoup. Donc, go, salon noir. Bonjour, bonjour, bon après-midi tout le monde. Est-ce que ça va bien? Oui! Donc, bienvenue. On est vraiment fiers de vous inviter sur le plateau de tournage de l'émission de variété Showbiz. On est très heureux de vous avoir ici cet après-midi. Et je crois, on m'a informé qu'il y avait des élèves de la 11e et de la 12e année de l'école secondaire catholique Lescal. Est-ce que c'est vrai? Ouais! Donc, avant de débuter le tournage et de laisser la parole à notre merveilleuse animatrice de foule, Sonia, j'ai quelques directives à vous partager. Premièrement, sachez que les gens ici, cet après-midi, ont travaillé très fort pour que la réussite de ce tournage-là soit possible. Je parle bel et bien ici de toute l'équipe du plateau, les gens qui nous ont appuyés, ainsi que nos nombreux commanditaires sans qui rien de tout ça ne serait possible. Également, pour le bien-être du spectacle et du tournage, on vous demanderait de mettre tout appareil électronique en mode avion ou de tout simplement les éteindre, puisque nous avons à l'émission plusieurs appareils sans fil et nous voulons éviter les interférences. De plus, vous pouvez noter qu'à votre gauche, juste ici, se trouve la sortie d'urgence. Et si une situation se produit au courant du tournage, bien, on va vous donner des instructions. Donc, ceci met fin à mon petit discours. Donc, je laisse la parole à notre merveilleuse animatrice de foule. Merci beaucoup de votre attention. Bon tournage! Bon, si tu m'entends, tape des mains une fois. Deux fois. Pas comme ça. Comme ça. Bon. Maintenant, trois fois. OK, OK, on a compris, là, c'est assez. OK, quand je monte cette pancarte-là, ben vous applaudissez, là. Quand je monte celle-là, vous riez. Celle-là, vous criez, c'est crie-tu. Puis, ben quand je monte celle-là, vous faites pas de bruit, c'est écrit silence. OK, on va apprendre la chanson thème de Showbiz, il y a des mouvements qui viennent avec. Fait qu'apprenez-les, parce qu'à chaque fois que vous allez entendre la chanson, il faut que vous la faites. Êtes-vous prêts? Ça va comme ça! Showbiz! J'espère que vous avez regardé, parce que c'est à votre tour! 1, 2, 3, go! Non, mais là, attends! Showbiz! 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 OK, on va laisser faire. Viens ici, toi, on n'a pas terminé, reviens. Merci. J'aime ma job. Oui, je sais. Donc, voyons, il est où Simon? Il est où le preneur de son? C'est parce qu'on a besoin de lui, là. Ça marche pas, là. OK, ben, on n'a pas le choix. Ben, je vais le faire. Stand by, tout le monde, on commence dans 30 secondes. C'est parce que je suis en train de finir de me faire maquiller. Ben, dépêche-toi, parce que OK, faut que je mette de l'ambiance, ça a de l'air. Fait qu'on va appeler la troupe, êtes-vous prêts? Ça va juste comme ça. Showbiz! 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 On commence. 4, 3, Showbiz! Bonsoir, mesdames et messieurs. T'as pas de classe, tu m'as encore coupé. C'est toujours toi qui parle en premier. OK, vas-y. Bienvenue à cette émission spéciale de Showbiz. Ben là, vas-y, c'est à ton tour. Si, William, si. Bon, ce soir, nous accueillons la chef cuisinière Sushi, le comédien de renommée mondiale Nathaniel, la designer Paola qui vient nous présenter ses nouvelles créations, Véro qui nous parle du lancement de sa nouvelle DVD d'Aérobie, Bénédicte la religieuse Walkers, Timéo l'humoriste et plein d'autres surprises. Est-ce que tu comprends ce concept, William? Des surprises? Ben oui, chérie. On vous revient après cette pause publicitaire. Showbiz!
capable de cette chanson-là. Positive, Sonia, positive. Donc, OK, tout le monde, on reprend dans 3 minutes. 3 minutes de pause. Bon. Ah, t'es là! Je te cherchais. L'émission vient juste de commencer. T'as pas manqué grand-chose. Ben, voyons donc. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais sur une plage à Cuba, en train de bronzer. Hein? Eh non, je sors de l'hôpital. J'ai été impliqué dans un accident matin. Ben là, tu vas être correct pour le tournage? Ben, I guess. OK, ben... silence tout le monde, c'est le patron, la patronne. Oh non, pas le caporal Reynald. Bonjour ma gang d'incompétents. Oh. Quelle sorte de début d'émission que c'est ça? Écoutez là, c'est très regrettable, mais en raison de votre manque de talent pis du budget qu'on a pu, je vous annonce que c'est votre dernière émission. Fini, capote. Quoi? Ouais, malheureusement. En moins d'un miracle, il vous reste seulement 7 épisodes pour me prouver que l'émission vaut la peine d'être financée. Ça fait que... bonne chance, puis je vous observe. Quoi? Oh, lâche-moi donc 2 secondes. Es-tu en train de me dire qu'on s'est enduré tout ce temps-là pour... Hey boy! Oh, toi, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Je suis pas assez belle pour toi? Non, non, c'est juste ça fait un peu pitié. Hey, accepte-moi comme je suis. C'est moi. Ça suffit, les enfants. Je pense qu'on a des problèmes plus sérieux à régler que son mariage. Mon quoi? Ton laisse faire. Ton mariage? Oui, c'est ça. Quoi, mariage? Non, mais qu'est-ce qui se passe avec notre émission, là? Non, mais vous ne vous êtes pas vus tout à l'heure.
J'imagine que ça l'aide pas à notre code d'écoute, ça, là. Mais qu'est-ce qu'on va faire sur notre émission? Je sais pas. Ouais, c'est à peu près le seul projet sur lequel on a voulu m'embaucher. Puis encore. Mais oui, elle est bien épaisse. Zut alors! Je vais perdre ma job! Ouais, l'épaisse vous regarde encore! Oups! Ah, excusez-nous, madame, hein? Donc, vous disiez... Bon, comme je le disais tout à l'heure, je vous observe de près tout le temps. Et pour m'aider, je vous envoie une invitée spéciale. Je vais passer toute la durée du tournage avec vous pour voir comment ça se passe. Aline, je sais que tu vas bien t'occuper d'elle. Bon, ben, je vous laisse. Vous serez bientôt en onde. Bonne émission. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Ma maman m'a parlé de toi. C'est toi, Alena? Oui. Je suis tout partout. Ça va être trop cool. Yeah! OK, gang, on commence dans 10 secondes! Non, non, OK, non. Oui. J'ai pas le temps. Merci, Simon, t'es super. Mai! On commence dans 5! J'ai pas plus le temps. Non, je veux pas Caroline. Non, non plus, je veux pas. Caro, s'il te plaît. Ah, OK. Mesdames et messieurs. C'est moi qui parle en premier. Et mon amour. L'autre jour, j'étais en train de regarder le journal pendant que tu m'avais laissé seule à la maison. Encore. Et je n'ai pu m'empêcher de constater à quel point nous sommes attirés par la comédie. Je suis d'accord, chérie. J'ai d'ailleurs vu un reportage concernant le fait que le rire est le remède le plus efficace, économique et facile à administrer contre le stress. Génial, j'habite avec une blague. Mais tu me stresses quand même. Notre prochain invité a une vie assurément sans stress. Il vient tout juste de sortir de l'école de l'humour. Voici Timéo! On peut se coucher dans la rue sans se refiler. Le dentifrice, les magasins sont souvent très tard ce soir. On peut se piquer dans la rue en mangeant des bobos, des policiers tout nus tirent dans des flatos, les lampadaires sont belles. Merci, merci. Merci de m'avoir invité à votre émission cet après-midi. Tout le plaisir est pour nous. Bien sûr que tout le plaisir est pour vous. Je promène seul humoriste que le temps de venir à votre petite émission d'amateur. Pourquoi donc avez-vous le temps de venir à notre petite émission d'amateur? Quels sont vos projets présentement? Oh, mais la semaine passée, j'ai animé un mariage. Mais mon dernier spectacle, c'était au Festival de la Truite de Hamin. Ah oui, des truites au mois d'avril. Ah oh, non, non, là... C'est au mois de juillet. Donc, ces derniers mois, vous avez... Ah, ben, j'ai écrit ça depuis là, ma petite madame. Alors, il est pour quand, le grand spectacle? Ah, ben, il est pour quelque temps après un moment donné. Dans ce temps-là. c'est bien. Voulez-vous nous montrer un petit extrait de votre spectacle?
Ah, bien sûr. Me permettez-vous aussi d'inclure ma mise en scène? Ah, bien sûr, pas de problème. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde! Est-ce que ça va bien? Ouais, ça s'arrête là, mais je suis encore en train de l'écrire. Vous savez, c'est long un processus de création. Oui. Merci d'être venu. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Ben oui. Maintenant, nous vous prions d'accueillir une femme que j'admire énormément pour son originalité, ses créations, son don de soi et surtout sa façon de rester humble malgré la situation. Nous vous présentons donc la grande designer Paola! Je veux tout, toi et les autres aussi. Je veux tout, le silence et les promesses, le rigide et la souplesse. Je veux tout, l'anarchie et la sagesse, ton sourire et puis tes fesses. Je veux tout, toi et tous tes amis, pour tracer mes jours et mes nuits. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. As-tu assez de nous montrer toute ta garde-robe en même temps? Moi, je prends soin de mon look! Oui, on peut constater ce que vous portez est très joli. Est-ce quelque chose de votre nouvelle collection? Non, ceci est de la collection du mois passé. C'est une grande insulte, designer! Je m'excuse. Qu'est-ce que t'as à rire comme ça, toi? Oh, rien, rien, là, tu fais bien ça, ma chérie. Mais ma femme avait pas tout à fait tort tout à l'heure. Vos designs sont très beaux. Même un homme comme moi qui ne suit pas trop la mode peut le voir. C'est très gentil. J'ai investi beaucoup de temps dans mes créations. Vraiment? Ben, ça paraît pas. Toi, tu devrais mettre plus de temps dans tes blagues! Ça a certainement valu la peine. J'ai toujours dans une revue que... Les critiques sont unanimes. Vous êtes un modèle à suivre. Très gentil. Voulez-vous nous montrer quelques-unes de vos créations? Oh oui, j'ai préparé un petit défilé pour l'émission. Malheureusement, une de mes mannequins s'est blessée, donc... Toi, avec les cartons, va voir mon assistant en arrière, il va t'habiller. Qu'on fait ici? Je...
Avec nous pour le jeu! Un jeu? Paola aime les jeux. Merci de rester avec nous, Paola. Restez avec nous, chers téléspectateurs. On vous revoit après la pause avec nos deux prochains invités. Showbiz! Showbiz! OK, tout le monde! 3 minutes de pause et c'est parti! Merci à tous pour le super bon début d'émission. Oui, c'était bien, c'était bien. Par contre, les animateurs, attention, vous multipliez les malaises. Hein? Oui, c'est ça. Souvenez-vous que la réussite de cette émission-là est critique. Hein? Simon, je suis pas fière de toi. Va t'excuser aux danseuses tout de suite! Ça se peut-tu? J'aimerais ça que tu m'aimes trop, j'aimerais ça que tu m'étouffes, que tu me cries après en pitchant tes pantoufles. J'aimerais ça que tu m'aimes trop, comme je t'ai jamais aimé, que tu me lances un verre d'eau lorsque je rentre trop poqué. J'aimerais ça que tu m'aimes trop, comme si c'était facile à faire, comme si ton cœur était le plus fragile. J'aimerais ça que tu m'aimes trop, ou t'entendre le dire, mais faut prendre un numéro juste pour un petit sourire. Mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, tout allait pour le mieux. Comme des adolescents, on était amoureux. Quand je te serrais dans mes bras, tu me disais lâche-moi pas. J'aurais dû serrer plus fort, tu serrais plus fort que ça. J'aimerais ça que tu m'aimes trop, ce serait jamais assez. Je ne veux plus dormir dans la chambre d'invité. J'aimerais ça que tu m'aimes trop et que tu me fasses mentir chaque fois que je raconte à un chum que ma blonde doit m'aimer. J'aimerais ça que tu t'inquiètes quand je rentre pas à la maison. J'aimerais ça que parfois tu poses plus de questions. J'aimerais ça que tu me retiennes chaque fois que je veux sortir au lieu de me dire va-t'en. Avec un grand sourire, mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, tout allait pour le mieux, on était
cherchais. Je pense que tu devrais aller voir Clara. Une petite session de maquillage, ça devrait être bon pour son moral. Mon Dieu, qu'est-ce que t'as? T'es bien blême. C'était l'enfer. De quoi ça? J'ai passé les pires. Allez, passe. 15 minutes. Et où la petite, là? De toute ma vie. Et où? Je sais pas, puis je veux pas savoir. Mais voyons. Oh, non, non, non. Oui, bonjour. Gang d'incompétents. Vous savez pas comment ça fonctionne, une émission? Les codes d'écoute baissent à la seconde. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, ça va me faire plaisir de discuter de ça avec vous. OK, là. Comme ténor, ça fait dur, votre affaire. Ah oui, je comprends pas. Ben, tu sais, le poste avec le petit foyer pis la musique de Noël, là, ça a plus de codes d'écoute que vous. Pis on est au mois d'avril. Ben, des chansons de Noël, ça peut toujours s'intégrer, c'est ça qui est in, tu sais. OK, je t'arrête tout de suite, là. Ouais. Tu me règles tout ça ou c'est fini? En passant, comment ça va avec ma petite cocotte? Ah, ça va super bien, en fait, présentement. Hey! Caporal Reynald! Oui? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Vous devriez venir nous voir, faire un tour, non? Qu'est-ce que tu fais, là? Amène-le pas ici, c'est le bordel! Vous devriez venir célébrer notre dernière émission avec nous. C'est pas nécessaire. Ça serait la moindre des choses? Non. En tout cas, moi, je lance l'invitation. Mais là, j'ai un travail à faire, puis des crottes de fromage à manger. Continue ton travail. En tout cas, faut faire quelque chose, parce que le temps passe vite. Tic-tac, tic-tac. De rien, hein? Ouais, merci. Bon, là, il faut que je retrouve cet enfant-là. C'est fait! Je viens de ruiner encore plus son maquillage. Ah, ben, parle-moi de ça! On va ouvrir le champagne, on va souffler les ballons, puis on va aller célébrer. Oh, elle va être tellement laide! J'ai manqué de faire ajout de couleur pêche, donc j'ai décidé de prendre du vert! Ça l'aide tellement pas bien avec son teint. Continue comme ça, puis... Tu vas voir que tu vas l'avoir, ton petit animateur. Oh, il va tellement me remarquer. Puis, oh, j'ai tellement fait d'efforts pendant le tournage pour que leur coupe vire mal. J'ai failli arracher son mascara, mais je me suis dit non, contrôle-toi. Pas
on passe à la prochaine étape du plan? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Parfait. Tout ce qu'il faut pour quoi? Pour faire une métamorphose à l'animatrice. Ah. Ouais, elle en a vraiment besoin. Je sais. Je pense que tu devrais retourner à ta gardienne. Elle te cherche. Oh non! Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de moi? J'aime ça, moi, je manquais mes poupées à la maison. Non, c'est beau, là. Va-t'en. OK, j'ai hâte de voir ça. T'as bien fait. Faut pas faire confiance à ce petit démon-là. Calme-toi, là. Elle est inquiétante. Là, là, si tu me copies une autre fois pendant que je... Tu sais que je fais pas exprès... Excuse-moi, je l'ai faite encore, hein. Puis tu me rends plein visage en plus? Je t'aime plus. Non, c'est juste que ton maquillage, il est vraiment... C'est pas toi qui va venir me donner des conseils de beauté, OK? Hey, choquée, la petite madame! Pourquoi t'es fâchée? Vous faites comme les couples sur YouTube où la fille demande à son chum de la maquiller. Ich, mon homme, lâche pas l'animation! C'est vrai que de même, ben, ça fait dur. Mais si on ferme les deux yeux, c'est bien correct. Non, mais tu sais, genre, tu fermes les yeux, tu fais pas rien. C'est de l'humour! Je suis un humoriste! Vous les hommes êtes tous les mêmes, macho métis pour le mot d'être fidèle. C'est prévisible, non je ne suis pas certaine que tu mérites, vous avez la chance qu'on vous aime. Dites-moi merci, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sur mon prochain rêve. Cette fois, c'était la dernière. Je peux croire que cette crise m'a une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu fais. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sur mon prochain rêve. Si jamais bon, jamais bon. Si jamais bon, belle ou moi. Si jamais bon, ouais, ouais. Si jamais bon. Si jamais bon, belle ou si jamais bon. Si jamais bon, ouais, ouais. Si jamais bon. Rendez-vous prochain règlement. Rendez-vous sur mon prochain règlement. C'est ça, là. OK, tout est en place, on commence dans 5! Tout est en place, on commence dans 5! Voyons! OK! 4! 3! 3! Hé, où c'est que tu vas encore? Reviens ici! Hé! Hey. Bienvenue à Showbiz. Notre prochaine invitée est très spéciale. En effet, elle donne une nouvelle saveur à la religion. Oui, croyez-moi lorsque je vous dis que la religion, ça rock.
Mesdames et messieurs, applaudissez bien fort Bénédicte. Venez vous asseoir, ma sœur. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Bénédicte. Oh, mais appelez-moi Hot B. C'est mon nom de scène. D'accord, Hot B. Ça va? Ben, habituellement, ça va toujours bien. Mais aujourd'hui, là, c'est vraiment pas ma journée. Voyons donc, comment ça? Ben, ce matin, je récitais le chapelet en loto, quand tout à coup, un jeune homme, il est sorti de nulle part, puis ben, je l'ai frappé. Mon char, il est fini. Oh, c'est vraiment dommage. Ben non, c'est rock'n'roll. Le gars, il a roulé en dessous de mon char. Baling, baling. Ça m'a inspiré à écrire une nouvelle chanson. Ça va s'appeler Le Seigneur vit encore. Baling, baling, en dessous de mon char. Le Seigneur, il m'a protégé. On met pas au gars. Livre à l'hôpital, faisait assez dur. Le coupé de bras dans le blâtre. Fais attention, ma sœur, c'est... Mes baguettes de batterie en forme de croix me protègent toujours! Ah, justement, notre preneur de son, Simon, aussi a eu un accident ce matin. Ben oui, hein! Les routes sont assez dangereuses. Qui aurait cru que j'aurais frappé le preneur de son à l'émission à laquelle j'allais participer? C'était bien drôle, les hasards! Très drôle. Parlons un peu de votre parcours professionnel. En septembre 2013, vous avez été finaliste pour la version française de La Voix. Le public ainsi que les juges ont été agréablement surpris de voir une religieuse chanter les plus grands succès du rock français. Comment s'est passée cette expérience? C'était rock'n'roll! Je me sentais comme si je ressuscitais sur la scène. Je montais directement au ciel. Suite à votre grand succès à La Voix, vous êtes revenu au Canada et sortez votre premier album de chansons cultes modernisées intitulé « La religion Pimoué ». Nos musiciens et chanteurs vont maintenant interpréter une chanson de votre album. Que le roi soit avec vous! Et avec votre esprit, ma sœur! Thank you.
merveilleux hommage. C'était rock and roll. Merci à vous, Bénédicte. Vous restez avec nous pour le reste de l'émission? Ben oui. Parfait. Maintenant, notre prochain invité lance sa nouvelle DVD, L'aérobie et moi. Accueillez chaleureusement Véro! Bonjour, Véro. Êtes-vous en forme? En forme, moi? Tu parles? En effet, William, si tu suivais ces cours, tu n'aurais plus de petite bedaine. J'ai pas de petite bedaine. Oui, t'en as une. J'ai dit que j'en ai pas. Oui, t'en as une. Puis il y en a à tonne des petites bedaines dans la salle. Avec mon DVD, pour aussi peu que 9,99, je vous apprends à dire au revoir aux petites bedaines. Pour le bien-être de mon mari et de sa petite bédaine, parlez-nous de votre nouveau DVD. L'aérobie et moi, c'est le DVD qu'il vous faut. Une combinaison d'exercices physiques et mental. Mais surtout le mental. Il y en a ici qui ont le mental pas mal magané. Avec mon DVD, pour aussi peu que 9,99, je vous apprends à rester en forme avec des gestes de tous les jours. Comme dire bonjour, au revoir, bonjour, au revoir, bonjour, au revoir. Maintenant, on lave la vaisselle, on l'essuie. On lave la vaisselle, on l'essuie. On lave la vaisselle, on l'essuie. On marche le chien, on marche le chat, on marche le chien. On marche déjà! On marche déjà! On marche déjà! On recommence la journée! Bonjour! Au revoir! Bonjour! Au revoir! Bonjour! Le chien! Le chat! Merci de nous avoir sauvés, ma sœur! Non! Remercie le Seigneur! Je suis que son instrument! Toi, William, c'est pas toi qui nous aurais sauvés. Merci, Bénédicte. Restez avec nous, chers téléspectateurs. On se revoit après la pause avec nos deux prochains invités. De cette chanson-là. Sortez-moi ça du plateau. Tout de suite, t'es comme... Ben, laisse donc faire. C'était quoi, ça? Non, mais c'est... Je veux rien entendre. Clara, c'était très clair dans vos contrats. Vos disputes, là, ils restent chez vous. Les téléspectateurs ne veulent rien savoir de votre vie privée. Allez régler vos problèmes ailleurs. Oh non, Mélodie, non, c'est pas le temps. Mélodie, mais... Oh, puis rentre aussi, puis passe le balai. Puis les danseuses, allez vous mettre en costume. Les danseuses, allez vous mettre en costume. Oh, toi, accorde-toi ta batterie. Toi, accorde-toi ta batterie. Oh, Simon, on recolle ta moustache. Simon, non, c'est la moustache. De quoi tu parles? Il y en a même pas de moustache. Oui, il y en a une. Oh non, pas de temps, là. Bonjour. Maman, oh, il est pas dansé avec moi. Oh, je me meurs. Je suis violentée. Être ou ne pas être. Je ne suis plus maman. Oh, je souffre plus qu'Aurore. Qu'est-ce que tu fais à ma fille? Absolument rien. En fait, je lui fais découvrir son goût pour le théâtre. Et bonne heure. Oh, Dieu de sa mère. Mais assez rigolé, là. Je vous ferai pas de cachette. Alors que l'émission est bonne pour la poubelle.
Mais si la télévision est pas faite pour vous, vous pourriez vous recycler en garderie. Ben, pourquoi pas, hein? On sait jamais. Non, mais pour vrai, là, je vous jure que je vais tout arranger. Les codes d'écoute vont augmenter. Faites-moi confiance. Ouais, OK. Continue de même. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller écouter la partie de hockey à l'autre poste. OK. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, tout le monde, hein? Allez, au travail! Toi, là, j'ai jamais vu une foule aussi ennuyée. Fais quelque chose. Non, non, tu me donnes ça, là. Tu vas blesser quelqu'un. C'est quoi, là? C'est l'émission qui est pas à votre goût? Puis, faites-moi donc aimer ma job, s'il vous plaît. Un petit coup de cœur. Puis, ruinez pas ma dernière journée. Parce qu'entre nous, là, ben, c'est vraiment ma dernière journée. Eux autres, ils le savent pas, mais au prochain segment de l'émission, toutes les pauses vont être diffusées à la télé. Ça fait que toutes leurs niaiseries puis toutes leurs imbécilités, mais ça va être dévoilé au grand public. Je vais ruiner Showbiz. Puis de toute façon, j'ai jamais voulu être ici. Si c'était juste de moi, là, j'aurais été... Ça rit pas fort, hein? J'aime ma job. Je sais. Oh, je vais parler à ma maman. Non, tu y parleras pas tout de suite à ta maman. Je parle à ma maman. Je parle beaucoup à ma maman. Elle manque, ma maman. Je parle à ma maman. Ça fait un bout là, que je n'ai pas parlé à ma maman. Et où? Hein? Et où, ma maman? Ma maman est très occupée. C'est la productrice de l'émission. Tu le sais qu'elle n'a pas le temps. Ben, c'est ça. Je t'aime. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Non, vraiment pas. L'autre qui pète sa coche en ondes. Non, ça va pas. Mais c'est un peu triste que c'est notre dernière émission. On a eu des beaux moments. Mais ça n'a pas valu la peine. Je suis triste d'entendre ça. Mais moi, je sais qu'elle ne s'en aura pas travaillé avec toi. Il y a même l'humoriste qui essaie de l'impressionner. Peu lui a vu tout son stress. Hein? Pas lui. C'est rien qu'un épais qui dit des mauvaises blagues et qui a rien entre les deux oreilles. Elle va pas vraiment me faire ça. Ah ben, c'est juste des rumeurs que j'ai entendues, là. En parlant d'infidèle, la voilà. Hey, qu'est-ce qui se passe avec son maquillage? Il empire à chaque pause. T'as-tu quelque chose à voir avec ça? Non, c'est elle qui voulait essayer ce nouveau style. C'est avec ses désirs d'enlever son stress. Bon, Caroline, fais-moi des retouches vite fait qu'on en finisse. Hey, genre, j'en reviens pas que t'as parlé de ma bedaine en ondes. Ce qui se passe à la maison reste à la maison. Donc, c'est ça. Fais juste me mettre un peu de fard à paupières puis ça devrait être correct. Hey, je te parle. Écoute-moi. Non, lâche-moi. Ah, oh, c'est ça, hein? T'aimes mieux ton petit humoriste plate maintenant? Tu me prends vraiment pour une guidoune? OK, c'est beau. D'où il vient? J'essayais de te comprendre, damné, condamné, tes démons, t'es disparu. Tu n'as rien vu de l'amour que je respirais, mon âme, à nu. Je l'ai révélé sans regret, tu n'as rien cru. Tu m'as largué comme un déchet, comme on méprise sans raison, le détenu. Tu n'as rien su de ma douleur et de mon sang qui ne bat plus que pour inventer des serments des coins de rue où je t'espère, où je t'attends, ta peau, ton corps et ton prénom, et ça me tue. Il a fallu que tu t'éloignes de ma porte, de ma vue, pour que je laisse une cohorte d'inconnus alimenter mes nuits, mes jours, pour toi.
j'ai mon propre amour et mon salut. Elle a pas une grande jasette, elle? Hey, gang, je ne raffole pas trop des petites grignotines, la cantinière. Ça fait que j'aime faire une sandwich. Oups, ça va pas mieux pour eux autres. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Le chat, tu mangeais ta langue? Ou bien, c'est-tu le chien qui a mangé le chat qui a mangé ta langue? Le chat? Le chien! Mangez le chien! Mangez le chat! Mangez le chien! Mangez le chat! Hey, ça marche! Vous savez ce qu'ils disent? Les mamans de malaise sont les meilleures pour placer les gags! Voyons! Qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est moi! C'est moi qui l'ai fait rire! Hey, oui! Rire aux larmes! Hey. Il faut que j'annonce ça à ma mère! Claire, parle-moi, parle! Qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi, regarde-moi! OK! Non, OK! Clara, ressaisis-toi! On va être en onde dans quelques instants! Hey, on va aller voir Caroline, puis elle va te faire une belle beauté! Ah, moi aussi, je viens! Non! Toi, tu restes ici! Pourquoi? Oh, je sais bien, c'est une valeur. Ah, oh, puis là, tu kicks la bouteille. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as agi comme ça? Ma maman sera pas contente. Mais je m'en fous de ta maman. J'ai jamais voulu être ici, de toute façon. Moi, là, j'aurais tant voulu. Moi, là, j'aurais voulu être... Une artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur le piste à Rotterdam ou à Rio. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence. Je peux pas supporter la misère.
dans les larmes. J'ai perdu le sens de l'eau. Depuis j'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fière. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu être un artiste. À l'émission. Notre prochain invité, vous l'avez vu dans tous les rôles. Un homme et son pêcheur, Unité 21, Passe nulle part et La guerre des gants font partie de ses plus grands succès. Accueillez-le comme il se doit, Nathaniel! Je suis un crotté, un égocentré. Je suis un podcast, un charme. J'appelle juste quand j'ai un lift à têter. Quand j'ai le goût de me coller, c'est toi. Quand j'ai pas de sel, que je veux boire une fumée. C'est ton bras, à mon goût, à ma santé, à moi. Je suis un crotté. Je suis un marbré. Je suis un marbre. Je suis un plein de marbre. Quand j'ai le goût de manger, boire. Venez pis repartir, je précise. J'ai jamais le temps d'appeler. J'ai jamais le temps de voir. Est-ce que c'est ce que vous êtes? Puis s'il y en est dans l'existence de ton père. Je suis un étranger. Je suis un sans arbre. Viva!
suis un crotté. Charnel, pas cher, mais chimité. J'suis comme dans le genre qu'on est en quelque part, là. Puis que j't'écoute pas me parler. Mais que dans le fond, j'pense à toi, à toi, des habits. Dans ta peau de ma femme. Dans ta peau bière, Marie bière. Y'a de l'eau, pis y'a de la bière. Anyway. Hey, ma gang de malades, vous êtes bon. 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 Oh, je ne crois pas que mon agent vous a informé, mais je dois seulement être filmé de mon côté droit. Cela affecte énormément mon image et je ne le dirai qu'une seule fois. Si ceci se reproduit, je ne reviendrai plus jamais à votre émission de débile. Mais on peut passer à autre chose. Avec le succès que vous avez eu avec les rôles pour adultes, il est étonnant d'apprendre que vous avez tout récemment doublé la voix de Caillou. Pensez-vous retourner comme à vos débuts au personnage d'émission jeunesse? Eh bien, pour être honnête avec vous... Caillou? C'est toi, Caillou? Oh, nous voyons que vous avez une admiratrice. Caillou, Caillou, Caillou! Tense-toi! Je donne un graphe! Non, lèvez-moi de cet enfant! J'exige de l'aide! Pauline, pourquoi m'as-tu quitté? Je comprends qu'on avait nos différences, mais regarde la position dans laquelle tu m'as laissé. C'est la pure torture, mon père! Écoutez-moi, je me livre à vous pour me libérer de cette souffrance. Je suis ce que je suis et je vous demande de m'accepter avec toutes mes merveilleuses qualités. Et scène. Ah, c'est beau. Vous êtes un acteur de très grand talent. T'es pas Caillou. Non! Petite peste, bonne affaire! Bon, au moins vous autres, vous appréciez mon talent, puis c'est bon de le savoir quand ça vient pas de mon miroir. Redites à tous, Nathaniel. T'es bon. Que vous êtes bon! C'est drôle, c'est drôle. Pas vraiment. Un humoriste fait de l'œil, maintenant c'est un acteur. Après ça, qui fera la file devant toi? Notre prochaine invitée pourrait t'aider à mieux plaire. Voici Sushi, chef cuisinière du nouveau restaurant en ville, La Queue de Poisson. Oui, oui, oui. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Entre deux villages, deux nettes, World à 132. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Dans le milieu de nulle part, dans une partie d'autobus, sur un petit terrain parsemé de babus, la service est chouffue. Café des fonds, tu sois menu. Une vieille table avec une petite grande des échappes dans ton cul. Y a un repas du jour, ce chic, un repas du jour. Y a un cheveu sur ta volée, mais je y a un pico sa tête. Au comptoir, il ferme le stream pour être sûr de bien garder les mouches. Snack bar chez Raymond. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Moi, être heureuse d'avoir quitté mon pays afin de
de venir vivre au Canada et ouvrir mon restaurant, La Queue de Poisson. Ah, je suis allergique au poisson, c'est dégoûtant. Samouraï! Moi, te couper la langue, tu dois dire mauvais mot de mes sushis. Ah! Compris? Non! Non, 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 non. Ne me tuez pas, s'il vous plaît! Je suis père de ces enfants! Ils ont besoin de moi pour survivre! Vous pouvez m'abattre? Je n'ai rien à vous en faire! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Ne me tuez pas! Et sign! Que vous êtes bon! Je sais, mais je n'aime toujours pas plus le poisson. Attention! Mon agent! Où est mon agent? Ah. Bon, on va aller cuisiner, ça vous dit? Oui! Simon, Cache viens ça. Nous aider. Oui, j'aime ça le poisson. Enfin, connaisseur! Venez! Venez m'aider à cuisiner! En premier, saluez la table en signe de respect pour le poisson. Ensuite, passez le poisson avec ses mains. Non, pas une main! Deux mains! Au! 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 Ensuite, faire tai chi et faire de bien relaxer ses muscles. Remerciez le maître de l'univers pour le poisson. Et ensuite, tuez le poisson! Ah! Ah! Ajoutez des demandes! Sashi! Les wasabi! Sashi! Une pâte de tabico! Sashi! Les petits oignons verts! Sashi! On enroule le tout dans un petit tank! Et voilà! C'est fini! Ah! Merci pour cette belle démonstration. Toi! Venir goûter! Oh non, c'est correct, j'ai pas faim! Toi, venir goûter! OK. Que c'est bon! Moi, prépare un glace au thé vert pour vous tout à l'heure. Merci, Sushi, pour cette belle démonstration. Restez avec nous, chers téléspectateurs. On s'en va après la pause avec notre jeu. C'est quoi ta toune? Maintenant, c'est le temps de jouer à C'est quoi ta toune? Les règlements sont très simples. Notre groupe de musique va jouer une chanson et lorsque vous pensez connaître le titre, appuyez sur la plante. Non! OK, non, non! Première chanson... J'aurais voulu que tu sois à moi. Je connais la toune, c'est Hawaiian par les trois accords. Hawaiian. Cette chanson-là me faisait tellement rire quand j'étais jeune. Mais c'est à cause de les trois accords que je suis devenu humoriste. C'est dommage que tu associes ton talent à cette chanson. Car contrairement à cette chanson, toi, tout n'est même pas drôle.
prochaine chanson. Mais bien meilleur. Allez les apôtres, on fait ça dans une si bémol majeur. 1, 2, 3, 4! Merci Bénédicte pour cette belle performance. Prochaine chanson. Ce soir, on danse. Bye, les petites dédaines. Prochaine chanson. I'm pretty, I'm pretty, I'm pretty, I'm pretty, I'm pretty, I'm pretty. J'aime ce jeu. Je connais la chanson. C'est « Je suis beau ». J'suis beau, j'y crois pas comment j'suis beau. N'avais pas fait zéro défaut. Vu pas comme j'suis beau. I'm pretty. J'ai dit qu'à ce morceau en beau, qu'est-ce que je suis. J'ai trop de sexe à faire quand j'me regarde, parfois je jouis. Choco supermarché, les portes automatiques s'ouvrent. J'suis une bête de vrai tard, je vais avoir ma place au loup. Tous les boîtes me klaxonnent, même en Suisse, je suis bon. Y'a juste un truc qui déconne, mais franchement, j'ai pas trouvé. J'suis beau, I'm pretty, j'y crois pas comment j'suis beau. I'm pretty, mon mec parfait, zéro défaut. I'm pretty, plus
with that country boo. I'm pretty, I'm pretty. Sweet boo. Excuse-moi, je suis beau. Les dieux grecs ne m'ont pas donné ce visage taillé dans le granit pour rien. Tu vas avoir une compétition de beauté? Je serai ton adversaire. Regarde mon côté droit. Je suis un dieu. La beauté, je m'y connais. Et toi, tu n'es certainement pas un dieu. Si, contrairement à toi avec ses vêtements de l'âge de pierre. Oh, ça crèche! La couche! Paula! On enchaîne avec la dernière chanson. Je connais la chanson. C'est moi, je mange. Y'en a qui prennent des petits coups, moi je mange. Y'en a qui veulent mes petits bouts, moi je mange. Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange. Je suis bien partout quand je mange. Quand je m'ennuie, même dans mon lit, moi je mange. Mais y'a des jours où je suis complexée, mais je me trouve pas bébé sexy. Quand je regarde le profil dans le miroir, j'y ai caché au fond d'un armoire. J'ai préparé des glaces pour tout le monde. Vous allez manger mes glaces, compris? En tout cas, vous cuisiniez bien mieux que ma femme. Mon écœur, hein? Parole, c'est en direct. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Je vous garantis une fin d'émission enflammée avec l'équipe de Showbiz. On se revoit après la pause. Showbiz! Dire des montres de même en avant tout le monde? Pourquoi tu me fais ça? Ben là, c'est juste de l'humour. J'ai appris ça de Timéo. Paraît que tu le connais bien. C'est fini entre nous deux. Oh. Faut que je te parle, toi. Pas maintenant, petite garce. As-tu remarqué depuis quand ça va mal entre toi et ta femme? Veux-tu que je te dise qu'est-ce qui va mal dans ton couple? Essaye donc. Par où commencer? Donc, c'est ça l'histoire. Et là, elle veut probablement un divorce puisqu'elle est convaincue que t'es un... Écœurant! C'est écœurant de faire ça. Tu penses que je peux peut-être arranger? Ben, il est jamais trop tard. Bon, tu m'excuseras là, mais j'ai une régie à l'énerver. Bon, fini le niaisage. Caroline, apporte-moi les papiers de divorce. Attends avant de faire la plus grande gaffe de ta vie, là. La plus grande gaffe de ma vie aurait été de t'avoir épousé. Bon, où est-ce que je signe que tu vas signer après? Je ne signerai absolument rien. Mais-en que tu vas signer. Il faut du front tout le tour de la tête pour me rire en plein visage comme ça. Un beau front quand même. Je m'excuse, là. C'est les nerfs. Je voulais pas te faire de la peine. T'es magnifique. T'es ravissante. Une beauté fatale. Qu'est-ce que tu fais? Oh, lâche-moi donc deux secondes! Non, je vais dire à maman que t'étais pas gentille avec moi aujourd'hui, hein? Tu peux bien dire qu'est-ce que tu veux à ta mère. Elle fait pas peur à personne. On y voit rarement en face, de toute façon. C'est pour ça que tu te rends mal, c'est pour ça que tu te rends de peur. OK, là, je suis sérieuse, lâche-moi! Arrête d'essayer de m'avoir de nouveau avec tes belles paroles. C'est fini entre nous deux. T'as pas remarqué depuis quand que ça va mal entre nous deux? C'est depuis le début du tournage de cette foutue émission de télé. Oui, depuis que tu me tiens pour acquis, tu restes avec moi juste parce qu'on fait un beau petit couple de stars, hein? Eh bien, c'est fini le temps où tu m'utilisais pour monter ton image. C'est ce qu'ils t'ont fait croire. Mélodie m'a tout expliqué. Quoi? Quoi?
Oui, il y a des gens sur le plateau qui t'ont fait à croire que je m'en faisais pas pour toi, que t'étais pas importante. Mais c'est faux. Hein? Oui, puis il y a du monde qui m'ont fait à croire que tu me trompais avec le Timéo. Ben là, je t'aurais jamais fait ça. Il est même pas drôle. Mais j'avoue que j'essayais de te provoquer. Ouais, ça, ça a fonctionné. Alors, ça veut dire que tout est réglé? Ah, ben oui, là! Minou! Non! Est-ce qu'on pourrait se revoir un jour? Si ce jour était demain? C'était pas compliqué, je t'avais dit exactement quoi faire. T'es-tu en train de dire que c'est de ma faute? Ben oui, t'es pas capable de suivre mes instructions. Mais là, faut rester concentré, là. Les pauses sont déjà diffusées, il est trop tard pour reculer. Showbiz est ruiné, c'est dans la poche, là. Oui, mais moi, ça me tente plus de ruiner, Showbiz. Si tu penses, nous aussi, on va perdre notre job. Mais je m'en fous, parce que j'ai jamais voulu être ici de toute façon. Moi, je vais plus nuire à l'émission de William. M'a rien fait, quand même. Puis... Moi, si j'y pense, je l'aime, ma job, moi! Ben, c'est bien de valeur. Parce que je vais ruiner l'émission. Pis t'en auras plus, de job! Je vais t'en empêcher! Ah, pis essaye-toi donc. Ben, okay. Voyons, Aline, pourquoi t'es stressée comme ça? Ouais, Aline, la vie est si belle pourtant. Non, non, ça va mal! L'émission est bonne pour la poubelle. Pis là, Renan n'a pas encore appelé pour donner ses commentaires. C'est pas bon signe, ça. Non, non, non! Eh bien, tant pis, parce qu'on est en onde dans 2 minutes! Vous avez compris? 2 minutes! On est en onde dans 2 minutes! Là, OK, ça y est. Là, ça va faire! L'émission va certainement se faire couper à cause de toi! Gang d'incompétents! Ça fait 1 heure que je cours partout comme une poule sans tête à vous regarder vous tourner les pouces! Moi, je dis, ça suffit! Je démissionne! Arrangez-vous tout seul! Oui, mais c'est parce que Aline... Non! Non! J'avais dessiné sur le sable son doux visage.
a plu. Sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié à l'île pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré au jamais, trop de peine. Je me suis assise auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié à l'île pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré au jamais, trop de peine. Et j'ai crié, crié à l'île pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré au jamais, trop de peine. Ben là, où est-elle partie? Si vous n'êtes pas assez malin pour voir que vous êtes en onde, je vous le dis. Vous êtes en onde! Oh. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, c'est avec grand regret que nous vous annonçons que cette émission était la dernière. Et pour clôturer cette aventure que nous avons partagée avec vous, nous vous offrons une dernière performance du groupe musical Showbiz. Nous voulons aussi en profiter pour remercier les quelques téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début. Vous êtes des vrais. Nous voulons surtout te remercier, Aline. Toi qui s'assures à tous les détails de l'émission, t'es une professionnelle et nous t'aimons. Applaudissez bien fort, Aline et le groupe de musique Showbiz. Quand le grand rideau gris sur moi
C'était vraiment beau. Merci. Aline! Ben oui. Aline! T'es revenue. Ben oui. Pas grave. Je vais m'en remettre. Aline! Pas chouette. Hey, écoutez-moi, là. J'ai quelque chose à dire. Non, mais c'est important. Sérieux, là. Pour... En tout cas, hey la gang, j'ai des nouvelles! Ah ouais, maman, dis-leur! Ah, votre fille, c'est un cœur! Elle a sauvé notre couple. Big Boss? Ben ouais, là! Si tu veux qu'une business fonctionne, ça prend une femme au top! J'ai des nouvelles! Je sais pas trop comment, mais vous avez réussi à charmer les téléspectateurs! On a eu la chance de voir plusieurs extraits du plateau de tournage pendant les pauses. Ah oh ben, moi je sais c'est qui a eu la brillante idée de faire ça. Vas-y, présente-toi. Ben oui, c'est moi. C'était mon idée. C'est moi. Oh ouais, hein? Ben, c'était une excellente idée. Les cotes d'écoute sont montées en flèche. Hey, l'émission est devenue numéro un grâce à toi. Le pire, c'est que je pensais te renvoyer. Je trouvais pas que ta présence était trop bénéfique à l'émission. Mais là, tu m'as prouvé que t'avais ta place ici. Tu perdras pas ton emploi. J'aime ma job, j'aime ma job, j'aime ma job. Puis j'ai des bonnes nouvelles. Ça a bien de l'air que j'ai réussi à trouver des diffuseurs qui veulent investir. Quand un concept s'épuise, il faut se réinventer. Alors ça veut dire qu'on va garder notre émission? Non. Mais on va avoir une nouvelle télé-réalité qui va orbiter autour de vous puis de vos vies pathétiques. Vraiment? Merci, merci, merci. Vous allez pas le regretter, je vous jure. Touche pas. C'est ma maman. Oh, ben, tabarouette. C'est bien. Et moi, je vais pouvoir venir plus souvent pour vous montrer comment on fait ça de la vraie télé. Du vrai théâtre. Je vais pouvoir créer les vêtements pour toutes les émissions. Cela me fera plaisir. Puis, moi, je vous promets de faire de meilleurs maquillages qu'elle. Quoi? Excuse. Hey, l'émission est déjà terminée? Je vais revenir avec mon groupe Les Apôtres. Bon, de bonne humeur, la petite madame, maintenant? Ouais. Oh, mais elle est pas trop contente. Ça, j'ai pour tout le monde! Non, merci. J'ai mal non, au ventre. Non, vraiment pas. Eh bien, j'ai réussi. J'ai pas lâché. Et là, je vais être régisseur d'une télé-réalité! Ouais, OK. C'est peut-être pas parfait. Mais c'est juste assez pour moi. Ouch! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Voyons! Ta vie, c'est un peu fou.
Yeah.